à tous. Bienvenue à votre workout du jour. Moi-même, Coach JS, avec Mathieu aujourd'hui pour vous accompagner dans votre workout. Donc, j'espère que vous allez bien toujours à la maison, que vous êtes capable de vous entraîner, que votre fitness vient bien. Je sais que je me répète souvent, mes phrases deviennent redondantes. Mais c'est ce qu'on veut, donc je vous le répète, j'espère que vous êtes en forme et en feu pour le training du jour. Pour aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai un PVC dans mes mains. Donc, si vous avez la chance d'avoir la main sur un PVC ou un manche à balai, ou quelque chose qui peut ressembler à ça ici. Donc, on va seulement s'en servir dans le warm-up, donc simplement pour des mouvements un peu plus niveau mobilité ou des trucs comme ça. Ensuite, on va se lancer plus dans un warm-up spécifique pour notre workout. Et par la suite, on va attaquer notre workout du jour, qui aujourd'hui seront deux AMRAP de 7 minutes. Donc, des AMRAP, où est-ce que vous allez avoir de besoin d'un bench? Si vous avez un bench, la possibilité d'en avoir un, fantastique. Sinon, on va le faire coucher au sol. Donc, bench. On va pas mal faire du bench press si on sort d'un bench. Une paire de dumbbells. Si vous avez la chance d'avoir des dumbbells fantastiques, ça peut toujours être fait, comme à l'habitude, avec des canisses de détergent ou même un sac à dos. Et si vous avez la chance d'avoir un kettlebell, on va se servir du kettlebell. Sinon, c'est pas grave. Les mouvements se font tous au poids ou avec l'objet que vous allez avoir sous la main pour aujourd'hui. Donc, je vais expliquer en fait en long et en large le training, donc les AMRAP avec les mouvements et avec les démonstrations de Mathieu. Par la suite, on va se suivre avec le merveilleux warm-up avec le PVC qu'on va faire, le warm-up, et ensuite, on va attaquer notre workout du jour. Donc, premier AMRAP, sans plus tarder, que je vous annonce, un AMRAP de 7 minutes. Donc, deux AMRAP de 7 minutes, 14 minutes au total, workout moyennement long, qu'on pourrait dire. Donc, l'intensité devrait être relativement assez moyen, même pratiquement élevée. Donc, l'intensité va tranquillement, pas vite, augmenter pendant le training. Seulement deux mouvements par AMRAP. Donc, on va revenir quand même assez rapidement. Donc, c'est important, très, 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 très important de trouver le pace efficace pour les deux mouvements que je vais vous annoncer dans le workout. Et ensuite de ça, vraiment stick to it. Donc, vraiment garder le pace, rester en mouvement tout le long des AMRAP pour être capable de finir en force dans le training. Donc, si je regarde ça rapidement, on a un AMRAP de 7 minutes. Le premier AMRAP, 7 dumbbell bench press et 14 one arm kibi clean ou dumbbell clean. Donc, Mathieu va se setter à son bench. Que ce soit sur le banc ou au sol, les points techniques sont toujours les mêmes. Donc, Mathieu va avoir ses dumbbells à son chest, ses pieds sont ancrés dans le sol, donc sont rentrés vraiment, pas nécessairement le plus près de lui possible, mais sont proches du banc pour pouvoir mettre une pression dans le banc. Puis en poussant avec ses pieds un petit peu, ça va venir activer sa chaîne postérieure puis créer un arche naturelle en accotant ses omoplates bien, bien serrées dans le bench. Et va venir faire son press, donc press jusqu'en haut. Si c'est fait au sol, c'est le même principe, on se couche flat au sol. Il va pousser activement avec ses pieds pour créer son arche naturelle, sortir son chest, coller ses omoplates dans le sol et faire le même principe, se pousser contre le sol pour faire ses bench press. Donc, 7 répétitions. Par la suite, 14 one arm kibi ou dumbbell clean en position hang, donc pas nécessairement obligé d'aller porter le poids ou l'objet jusqu'au sol. On va le partir en position hang, on va simplement l'amener sur l'épaule, donc que ce soit fait avec le kibi ou le dumbbell, c'est la même chose. Donc, Mathieu l'a fait avec le kibi, il va le faire avec le dumbbell. Donc, c'est le même principe. On se donne un petit élan, on essaie de se servir de sa chaîne postérieure pour faire l'extension, amener notre poids sur l'épaule. Et c'est tout pour le premier AMRAP. Donc, 7, 14, 7, 14, 7, 14 pendant 7 minutes. Donc, ça peut revenir super vite. Donc, c'est pour ça que je disais au début, c'est super, super important d'avoir le pace qui est constant, où est-ce que vous êtes capable d'avancer, de progresser pendant le AMRAP. On va avoir une pause de 2 minutes et par la suite, on va se lancer dans le deuxième AMRAP. Donc, encore une fois, 7 minutes. 7 bent over row, donc avec les poids. Mon Dieu, excusez-moi, mes allergies m'attaquent. Crise d'allergie, je me fais attaquer. Donc, les 7 bent over row, donc Mathieu a poussé ses hanches vers l'arrière avec une petite flexion dans ses genoux, son chest pointe vers le sol, puis il va venir tirer ses poids vraiment là, vers la hanche. Donc, on ne veut pas tirer vers le chest, on veut vraiment toquer les coudes à l'intérieur, puis venir tirer vers la hanche, venir squeezer les omoplates, tighter les lats. Donc, pour cette répétition,
Il va terminer avec 14, encore une fois en position suspendue, soit le kibi ou le dumbbell, de hang snatch. Donc, debout dans la position, extension et press au-dessus de la tête. On se rappelle avec un kibi, souvent là, la rotation fait en sorte que le kibi peut venir nous taper sur l'avant-bras. Donc, c'est important de faire un bon press quand le kibi commence à passer au niveau de nos yeux. On veut le presser au-dessus de la tête pour que la boule vienne s'accoter sur l'avant-bras et non nous tomber puis nous faire un gros bleu vraiment tannant pendant le training. Puis c'est le même principe pour le dumbbell. Donc, on va y aller en position hang et faire l'extension. Pas besoin de switcher à chaque bras. Il faut y aller 7-7 ou peu importe comme vous vous sentez à l'aise de faire pour le nombre de répétitions que vous avez. Et c'est les deux mouvements qui vont compléter le deuxième AMRAP de 7 minutes. Donc, 7 bent over et 14 one-arm kibi snatch. Donc, les deux AMRAP 7 sont dits. Ça va être ça le noyau du training. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite activation avec le PVC. Donc, si vous avez un PVC, vous pouvez le prendre. Sinon, vous pouvez peut-être prendre un élastique, peut-être pas être capable de faire tous les mouvements, mais ils seront ajustables là, pour ce que vous avez. Donc, on va prendre ce merveilleux PVC, puis je vous invite à nous suivre, moi et Mathieu, pour le warm-up. Donc, rien de très spécifique. Ce qu'on veut, c'est juste créer de l'espace. On va avoir beaucoup d'overhead, beaucoup de haut du corps aujourd'hui. Donc, on veut vraiment s'assurer là, qu'on est réchauffé, qu'on a de l'espace, qu'on n'a pas de tension au niveau des pectoraux, des épaules ou peu importe ce qu'on va avoir besoin de servir pour aujourd'hui. Donc, le premier mouvement qu'on va faire, qui peut se faire aussi avec un élastique, c'est un pass-through. Donc, on va prendre le PVC ou notre élastique, prendre une prise relativement large selon votre mobilité. Donc, si vous êtes close, des chances que ça ne passe pas de l'autre côté. Donc, on va se prendre une position large, probablement quelque chose comme snatch grip, si on pourrait dire. Puis, on va simplement passer à travers la position, ramener dans le bas du dos, en avant, en arrière. Donc, pour 10 répétitions totales, donc 10 va-et-vient. Donc, partir en avant, en arrière, donc une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, hein? 7, sinon on va le plus loin qu'on peut, 8, 9 et 10. Donc, le premier est fait d'en avant en arrière. Le deuxième pour 10 répétitions par côté, même principe avec le PVC, mais cette fois-ci, on va y aller de côté. Donc, rotation comme ça sur le côté. Et ensuite, on va switcher quand on est dans le dos pour ramener en arrière à en avant. Donc, rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Et vous devinez qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté pour 10 reps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Donc, je vous invite à aller sortir vos barbells. On va faire une partie snatch aujourd'hui. Donc, un. Oh. Mais non. All right. Donc, le PVC, donc, c'est un mouvement qu'on monte souvent dans les cours. Des fois, on a un peu de difficulté à adapter. On cherche un peu dans notre PVC. Donc, je vous le montre ici comment bien l'exécuter. Donc, je vais commencer à vouloir étirer mon épaule droite. Donc, je vais prendre mon PVC dans ma main gauche ici, main gauche. Ma main droite s'en vient en revers. Donc, PVC main gauche. Je vais prendre mon PVC en revers comme ça ici. Je vais le placer au niveau de mon épaule, donc sous mon bras. Puis avec ma main ici que je vais bien venir fermer. Donc, si vous êtes capable d'avoir une main pleine sur votre PVC ou sur votre manche à balai, peu importe, fantastique. Sinon, on va laisser glisser un petit peu les doigts, mais on essaie de garder une main ferme le plus possible. Et dans cette position-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement lever le PVC
comme ça ici. Donc, vous voyez, là, j'ai une main pleine sur mon PVC. Puis, je vais faire comme ça. Je vais soulever, donc soulever mon coude pour créer une rotation. Donc, on va le tenir dans cette position-là pendant 20 secondes. Donc, on est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Et tel un ninja, hop! 1, ben non, OK. Donc, j'ai fait mon côté droit. Là, je vais le prendre dans ma main gauche. Je vais aller le porter sous mon bras. Je vais aller chercher avec mon autre main. Et hop, on est parti. Rotation pour 20 secondes. Puis je vais mettre mon ninja, puis je vais aller snapper sur une, un tête cool. Je le sens encore. Je sors sur mes talons tranquillement. Zut! 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Prochain mouvement, on va faire 10 répétitions de, en fait, tempo overhead squat si on veut. Donc, on va y aller en contrôle. Donc, je vous invite à prendre une base, votre stance de squat, peut-être plus large qu'à l'habitude, vu qu'on va avoir une position overhead. Donc, on va simplement prendre notre PVC, manche à balai, dans nos mains. On va squeezer nos omoplates à l'arrière. Donc, les omoplates par en bas et collées ensemble. Pousser les hanches vers l'arrière en même temps d'avancer les genoux. Et hop, tranquillement, y aller pour 10 reps. Quatre. Six. Oh mon Dieu, excusez. Sept. Oups. Des fois, mes rats sortent puis je les sens pas venir. Ils sont juste, hey, I'm out. Juste là, là. Et voilà pour 10 répétitions. On peut se looser un petit peu au besoin. Commence à être un petit peu tight dans les épaules. Comme ça ici. All right. Donc, PVC. Le PVC est fait. Donc, c'est créer de l'espace au niveau un peu des épaules, upper body. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un warm-up plus spécifique. Donc, je vais laisser mon PVC de côté. Mon Dieu. Puis là, on va vraiment attaquer un mouvement pour chacun des mouvements qu'on va avoir à faire, donc plus spécifique. Donc, bench press qu'on va attaquer, ça va être le push-up, le one-arm clean. On va y aller pour 7 répétitions par côté de one-arm rush and swing. Donc, simplement pousser les hanches vers l'arrière et faire l'extension complète. On va y aller 2 rondes par mouvement, par séquence. Donc, push-up pour 7 répétitions, vu qu'on a 7 bench press, on va faire 7 reps. On va y aller peut-être plus en contrôle, plus tempo, avec un bon lockout dans le haut. Puis après ça, 7 par côté, one arm Russian swing, pour vraiment activer la chaîne postérieure. Et par la suite, pour ce qui est du bent over row, étant donné qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de faire un mouvement qui va être body weight pour le tirage, on va utiliser nos poids ou les élastiques si vous avez l'opportunité de le faire. Puis on va y aller pour 7 rows. Donc, avec un bend si possible, sinon avec le poids, on va tirer pour 7 répétitions en contrôle. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est un one-arm, okay? Un one-arm snatch, 7 par côté, donc pour préparer notre mouvement qui va être fait avec le poids ou avec le kibi ou peu importe ce que vous avez sous la main. Donc, 2 rondes par séquence, 7 et 7-7 par côté pour, dans le fond, c'est comme le 14 qu'on va se lancer tout de suite. Donc, je vous invite à nous joindre pour le premier mouvement. Donc, on va y aller pour 7 push-ups. Okay? Donc, en contrôle. Thank you.
Donc, 7 push-ups faits. Ensuite, 7 par côté. On va aller pour le Russian. Donc, activation. 3, 4, 5, 6, 7. On va changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retourne tranquillement à nos push-ups. Et 7. Mon Dieu, déjà, ninja. Et 7 par côté. Et voilà, donc les deux séquences pour le premier AMRAP. Par la suite, le row. Effectivement. Donc, même un sac ou peu importe. Donc, je vais faire avec la cloche. Ça peut être avec la cloche ou le dumbbell comme Mathieu va le faire ici. On va y aller pour les 7 bent over row. On prend le tab bien activé, donc on y va plus en tempo pour le warm-up. On tire, on peut pause, prendre une pause au chest. Vraiment bien activé. Puis, on y va avec le dumbbell ou la cloche encore pour le... Je vais aller avec le dumbbell cette fois-ci pour le hang snatch, donc activation. 7 par côté. Et dernière fois, donc, cette fois, bent over row, pose au chest, en contrôle. Après ça, on va être sa grosse pompe. They are called the two, the Thursday. Ah oui. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un buy-in de 100 pistoles. C'est une blague, non, c'est pas vrai. Ça marche encore, toi, ouais. Voilà. Ah. Full activation.
préparer mon petit cardio. All right. Donc, on va se préparer pour notre AMRAP, le premier 7 minutes. Donc, je vous rappelle que c'est le 7 bench press plus le one arm kibi ou dumbbell clean. On se donne le go. Toi, Mathieu, tu prends combien de temps? On va repartir ça dans une minute. Dans une minute, super. Je vais me faire une petite attache ici. Pas manger des cheveux pendant tout le training. Passer le clipper là-dedans. Quoi? Hein? Quoi? Quoi? Tu coupes ça, bourré. Après tous ces efforts. Le comeback was real, but not for so long. Le comeback. Je vais retirer, hop là, the microphone. Check. Hop. Pas du old school aujourd'hui, c'est comme ça. On peut. Old school hip hop, you know? La musique qu'il y a. La musique qu'il y a dans. Vraiment mieux. Depuis que mes allergies ont attaqué, j'ai la gorge en feu depuis 3 jours. Peut-être pour ça que j'ai de la misère, moi. Chaque année, je pense que je vais m'en sortir parce que la saison du pollen, ça me fait peut-être toujours plus loin. À chaque fois, j'ai la surprise. Mais non, ça ne sortira pas cette année, mon petit gars! Mathieu, est-ce que t'es prêt? Fait que 2 fois 7 avec 2 minutes en check. On va y aller. Fait qu'on a pour 16 minutes au total. Donc au moment que le compte est parti, on en a pour 16 minutes. Tout à l'heure, tout à l'heure. 2 fois 7 avec 2 en check. Mon Dieu, hein? Funky fresh. Hey boy, funky fresh. Alright, donc 10 secondes. Moi, Mathieu, vous à la maison. 2, 1, et c'est parti! Yes! Gagné! Ah non! Faut t'as dit? Yes, you can.
On va rendre à la moitié. On garde le rythme. Une minute. Second. Plus pompe musculaire. Ça pompe en est aussi. J'aurais pas dû penser un push-up un matin. Moi, je l'ai fait d'un coup, c'est tiqué. Je fait dans un watt d'un heure et demie. Tu fais quoi? Hein? 26 minutes. Avec des pauses de deux. Une minute avant de partir la deuxième. 7, 20 tours de jour, 14. One arm snatch. Mm-hmm.
20 secondes. Déjà? Ouais, good, mon pick. Ravi. Come back to me. I don't need you now, but soon enough. En 5, 3, 2, 1, et halt. Oups. Glisse. Putain de merde. Hein? Mais glisse. Ça glisse. Je vais blanchir. Ah, mi-chemin. Let's go.
Rachel, plus que 12. Dernière minute. En 10 secondes. Le bas de dos un peu. Ouais, mon Dieu. Non, mais là, j'ai senti. C'est beaucoup de bent over. C'est les snatch avec ça. Ouais, justement. C'est ça qui est top. Ouh! Palm day! Ouais. Let's go! Ma chaise! Non. Non. Au soleil. C'est beau, on va profiter. C'est beau toute la semaine encore. Piou! Ouais! We celebrate! The end of this workout. Who tank clear? Arrête, ça va te faire muter. Oh. Beep! Who tank beep? Push the mic, là. Oops. Ah bon, maintenant que je suis quand même sur les deux pattes. Enregistrer mon workout. Boom! Mic is on! Alright guys, donc c'est ce qu'on avait aujourd'hui dans la programmation du jour. Donc c'était votre training, j'espère que vous l'avez aimé autant que nous. Donc workout un petit peu moins cardio là, qu'on a fait dernièrement. On a fait quand même beaucoup de... Hier, beaucoup de haute intensité. Après, on a fait un peu de constance sur du plus longtemps. Aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de raccourcir le temps.
va avoir un workout qui est vraiment à plus là, au niveau musculaire. Là, donc, la pompe, comme on peut le voir. Pardon? Ouais, donc on raccourcit le temps, un petit peu plus de pompe, donc moins de cardio, mais on reste toujours autant actif, ce qui était vraiment bon. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite encore une fois de prendre du temps pour vous. Il fait beau, il est supposé faire beau tout le reste de la semaine, donc profitez pour aller à l'extérieur, peut-être même prendre de l'équipement que vous avez et aller à l'extérieur le faire au soleil. Sinon, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je vais vous revoir moi demain pour la prochaine capsule explicative de votre workout. Sinon... Tout est beau pour Mathieu, tout est beau pour moi. On vous souhaite le meilleur. Bon training, bonne fin de semaine et on se revoit à la prochaine. Ciao!